se repérer dans le temps. Pour se repérer au travers des époques, les historiens découpent le temps. Ils utilisent pour cela plusieurs outils. Le premier outil, ce sont les grandes périodes historiques. On découpe ainsi traditionnellement l'histoire entre l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Les historiens ne sont pas toujours d'accord sur les limites de chaque période et nous pouvons nous aussi nous questionner sur leur pertinence. Un autre outil est le calendrier. Il existe plusieurs calendriers qui permettent de compter les jours, les mois, les années. Aujourd'hui, le calendrier international est le calendrier grégorien, lui-même hérité du calendrier romain. Pour faciliter le repérage dans le temps long, les historiens découpent le temps en siècles et millénaires. Ainsi, on parle de siècles pour caractériser une période de 100 ans. On parle de millénaires lorsqu'il s'agit d'une période de 1000 ans. Mais à partir de quand doit-on commencer à compter? Quand commence le premier siècle? Eh bien, puisque l'an zéro n'existe pas, on commence traditionnellement à compter à partir de l'an 1. Ainsi, le premier siècle dure de l'an 1 à l'an 100. Le deuxième siècle, de l'an 101 à l'an 200. Le troisième siècle, de l'an 201 à l'an 300, et ainsi de suite. Actuellement, nous sommes au 21e siècle qui a débuté en l'an 2001 et s'achèvera en l'an 2100. Pour déterminer un siècle à partir d'une année, il faut regarder le chiffre des centaines et lui ajouter un. Par exemple, pour l'an 622, le chiffre des centaines est 6. 6 plus 1, 7. 622 se situe au 7e siècle. Lorsque l'on a affaire à un nombre plus grand, comme par exemple 1989, c'est exactement la même chose. Pour 1989, le nombre des centaines est 19, 19 plus 1 égale 20, 1989 est au 20e siècle. Et s'il n'y a pas de chiffre des centaines, comme par exemple avec l'an 33, eh bien c'est que ce chiffre est 0, 0 plus 1 égale 1, nous sommes donc au 1er siècle. Et c'est exactement la même chose lorsqu'on se situe avant l'an 1 et que les nombres sont négatifs, moins 1, moins 100, moins 1000. Si 622 était au 7e siècle après Jésus-Christ, alors moins 622 est au 7e siècle, mais avant Jésus-Christ. Enfin, pour représenter graphiquement le temps, les historiens utilisent un outil majeur, la frise chronologique. Elle est représentée sous la forme d'une flèche, toujours orientée vers la droite et sur laquelle on va retrouver des graduations qui marquent les années. Plus je suis à gauche, plus je me situe à une période ancienne, et lorsque je suis à droite, je suis à une période récente. Lorsque je lis ou que je construis une frise chronologique, je fais bien attention à l'échelle, c'est-à-dire à la distance sur la frise représentant un certain nombre d'années.